tracteurs. Salut les colisiers. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de On ouvre vos colis. Là en l'occurrence, aujourd'hui c'est un seul colis et quelques petits cadeaux qu'on nous a donnés en vrai. Parce qu'on a vu l'abonné en question en vrai. Je vais vous montrer ces cadeaux parce que tout simplement le colis qu'on vous montre après, bah il est que pour Sandar, c'est apparemment. Ça, en oui. grande partie, d'après ce qu'on a compris. Tant mieux, hein, l'adresse est Saran et Sandar. On vous dit toujours bien de préciser sur le colis à un autre endroit pour qui c'est. Là c'était pas fait, donc on a contacté l'abonné parce qu'on a reconnu son nom, son prénom et son nom. On a dit, oh, ça doit être machin. On lui a demandé, il a dit, bah c'est principalement pour Sandar. Voilà. Quoi. Bon, bah écoute, c'est pour Sandar, c'est très bien. Bah. Mais du coup, j'invite quand même Saran à faire une vidéo avec moi parce que toute seule, ça aurait été un peu triste, je trouve. Oh, moi, j'aurais trouvé ça bien. Non, moi, je trouve ça triste. Je commence du coup par vous présenter des petits items que nous a fabriqués Tom Pasquet. Alors, Tom Pasquet, on avait fait un vide-grenier avec lui et il vient de se mettre dans les perles, je sais pas comment on appelle ça, les perles pixel art. Ouais, les perles, ouais, c'est ça, les perles. Les pixel art. Les PPA. Il nous a fait déjà un gros drac au feu. Alors, je vous le montre pas trop près parce que justement, ce qui est intéressant avec les pixel art, c'est de voir de loin parce que c'est là que l'image se crée. Et donc, c'est un drac au feu. Alors, c'est marrant, il m'a dit pour toi, je t'ai fait un drac au feu alors que c'est le Pokémon préféré de Sandar. Il est super sympa. Les autres, du coup, on a une petite Pokéball, donc ça, c'est vraiment cool. La petite fée dans Zelda, alors je crois qu'elle a un nom, mais je ne sais plus. C'est celle qui redonne la vie. En plus, c'est super sympa parce que les perles utilisées sont un peu translucides. Une Triforce, forcément. Et un petit champignon de Mario. Donc, merci beaucoup, Tom Pasquet. Ça nous touche beaucoup, c'est adorable. Donc, voilà, je vous le répète, on a fait un vide-grenier avec lui. Il est venu avec ça directement. Donc, merci beaucoup à toi. Si on a l'occasion, on se refera un petit vide-grenier ensemble. Sinon, le colis que va nous ouvrir Sandar, qui est plutôt gros, hein, ma foi, qui est pas mal du tout. Et il l'a dit dans le message, j'espère que Sandar ne les a pas. Moi, je pense que c'est des pop. Ça me paraît bizarre quand même. Mais c'est un peu en lourd. En plus, déjà, c'est très lourd. Ouais, c'est un peu lourd pour des pop. Pop, je pense pas, moi, mais bon. C'est risqué d'offrir des pop, hein. Qu'est-ce que c'est? Il y a des pubs. Oh, il y a plein de trucs. Oh, il a tout emballé dans les trucs. Regarde-moi ça, il y a plein de trucs. C'est une espèce d'emballage cadeau, mais chelou. Je suppose qu'il y a rien dedans. Ah, si, non. Attends. Non. Alors, c'est une pub pour quoi? Castorama! Oh, wow, c'est génial! Fallait pas, franchement! Ça, c'est adorable! J'adore Castorama, mais comment t'as su? En plus, c'est mon rayon préféré, c'est le rayon électricité. Je sais pas par quoi commencer. Eh bah, écoute, fais-toi plaisir, hein. Commence par ce que tu veux. Oh, ça, ça a l'air d'être un livre. Attends, il y a une lettre. Bonjour la famille. Voici, comme prévu, un petit colis qui, je l'espère, vous fera plaisir. Honneur aux dames, celui-ci est essentiellement pour Sandar. Ne t'inquiète pas, Saran, j'espère te trouver quelque chose, un vide-grenier pour te faire plaisir également. Merci de nous faire transmettre votre passion à travers vos vidéos. Continuez comme cela et ne changez rien. Gros bisous à toute la famille. Donc c'est pas signé, mais sur le colis du coup c'est écrit Alexandre. Donc merci beaucoup Alexandre. Merci beaucoup. Et merci de penser à moi plus tard, c'est adorable, mais c'est pas obligatoire du tout. Mais il y a pas que moi non plus. Il y a d'autres membres dans la S Family. On sait qu'on est les meilleurs, mais bon, n'oubliez pas les trois autres gogoles. Hein. Bon, même si Nono. Voilà. Elle a eu son permis, Nono. Félicitez-la. Envoyez-lui un porte-clés pour ses clés de voiture. Exactement. Et puis mettez dans les commentaires félicitations, Nono, pour le permis. Oh. Et pourra conduire en vide-grenier. Oui. Oh. Qu'est-ce que c'est? Un IG. Trop bien. Mais d'où t'as chopé des IG, mec? C'est le numéro 2 sur Dragon Quest en plus. De 2009, quoi. C'est trop bien. C'était un magazine de jeux vidéo qui était vraiment au top avec pas de pub, des grandes photos magnifiques, avec des super dossiers. C'était vraiment un très bon magazine de jeux vidéo qui a disparu. Et il y a eu très peu de numéros, malheureusement. Je sais par exemple que Retroxy il y a des collections. D'accord. Donc, et bah coucou à Retroxidia si tu regardes cette vidéo. Trop cool. Et bah du coup c'est super cool. C'est franchement trop gentil. Et bah du coup ça fait autant de plaisir à Saran qu'à moi. Surtout sur Dragon Quest quoi. Ouais, c'est Dragon carrément Quest cool. C'est trop cool. Et tu l'as trouvé en VG du coup? Bah, je pense ouais. C'est ouf hein, franchement. Bah GG à toi. Hein. Et c'est adorable quoi. Ouais, c'est vachement épais. Hein. Il y a de quoi faire là-dedans. Il y a de quoi lire. Je suis sur le cul hein. Franchement. Ouais, GG à toi. Resident Evil, Dragon Quest et dossier sur les RPG. Ils se moquent pas de nous Alexandre. Ah non, hein. Ils se moquent pas de nous. Oh, le fils de Batman. Alors je l'ai déjà malheureusement. C'est pas grave. C'est super cool, moi ça me fait quand même plaisir. Après, c'est le risque. Il est tout beau, il est tout propre. Alors, c'est quoi? C'est un animé? C'est un animé, du coup, c'est un DVD qui vient en fait d'un coffret que j'ai acheté il y a assez longtemps de ça. Alors, je sais pas si. Ah oui, est-ce qu'il en a mis plusieurs du coffret du coup? Voilà, c'est ça, c'est ce que je vais vérifier. Et c'est bien ça, ouais. Ah. C'est du coup le fameux coffret que malheureusement j'avais déjà acheté à l'époque. Bon, ça fait quand même plaisir. Moi, je suis contente d'avoir du Batman quand même. Oh, c'est quoi ce truc? Oh, mais j'ai jamais vu cette édition, elle est trop chelou. Elle est géniale. Donc, c'est Batman Begins en Blu-ray. Qu'on a forcément déjà. Ouais, mais c'est cool parce que c'est une édition qu'on n'a pas. Non, c'est étonnant. Super cool. Et là, nous avons, et bah forcément, The Dark Knight, du coup, en Blu-ray aussi, et que nous avions aussi des jeux. Bah oui, malheureusement. Voilà. Malheureusement, mais c'est cool, moi ça me fait toujours plaisir de voir du Batman. C'est trop cool, en tout cas, c'est adorable, ouais, hein. C'est des DVD, des Blu-ray, Wow. C'est gentil comme tout. Ah, ça j'ai pas. Ah, Superman contre Brainiac, c'est super cool, j'adore les animés, c'est vraiment cool. Ça, ça me fait plaisir, j'adore regarder ça toute seule, là, avec mes céréales. C'est un truc que j'ai gardé quand j'étais gosse. Du coup, il date de 2013. Il est assez récent. On adore Superman aussi, forcément, voilà, parce qu'on adore Batman.
DC Universe. Voilà. Donc il a l'air super cool celui-là. Il y a deux DVD en plus. Et le deuxième, c'est Batman vs Robin, que je n'ai pas. Donc ça, c'est trop cool. Ah, aussi. Mais c'est vraiment bien. L'affrontement final qui va changer le destin. J'aime bien les animés, j'adore ça. Et il y a un dernier petit cadeau encore. Le dernier. Tu es fou. C'est vraiment ça énorme. Ça t'aime beaucoup pour une personne. Hein. C'est clair. Il t'aime beaucoup. Hein. Bah encore des séries animées, mais que j'ai déjà. Oh, ça m'énerve. Bah c'est pas grave. Après, il doit pas en avoir beaucoup en DVD non plus. Oui, donc, c'est vrai, c'est pour ça. The Dark Knight Returns Partie 2 et Batman Year One. J'ai adoré celui-ci. Malheureusement, c'est pareil, ça venait du même coffret. Franchement, c'est vraiment pas grave, ça me fait vraiment plaisir. Les 4 DVD Batman que l'on a déjà et les 2 Blu-ray Batman qu'on a déjà, et ben en fait, ce qu'on va faire, le plus intelligent, c'est déjà on va demander aux autres membres de la S-Family s'ils les ont. Parce qu'à ce moment-là, voilà. Ben, ça va aller vers Géjor, par exemple pour les films, parce que ça me paraît logique. Les animés Batman, peut-être vers Nono et Alès. Ouais. Ça peut les intéresser. Nous, en tout cas, on est ravis d'avoir ça pour ta collection ouais. Et le IG, c'est vachement c'est cool. Vraiment cool. Si tous les autres membres de la S-Family ont déjà ces DVD et ces Blu-ray, et ben ce qu'on fera, c'est qu'on les gardera de côté pour éventuellement des échanges ou encore mieux pour vous les garder de côté parce que c'est des bonnes choses pour vous faire un colis à vous plus tard. Ouais. En tout cas, c'est adorable, mais vos ouais. cadeaux sont toujours au top. Merci, merci c'est beaucoup, vraiment Alexandre. Merci aussi beaucoup à Tom. Voilà, ouais. On vous fait de gros bisous. Très gentil de prendre le temps déjà de nous envoyer ça, de prendre le temps de créer des choses aussi et de chiner et de penser à nous, c'est vraiment trop gentil. C'est quoi. Clair. Et vos petits courriers sont toujours adorables, ça on les garde de côté. On a le petit classeur à courrier. Et n'oubliez pas, si c'est possible, je sais que certains ne veulent pas et tout, mais là, tu vois, Alexandre par exemple, Tom aussi, ça pourrait être cool, envoyez-nous des photos de vous. Mais voilà. Oui, parce que pour notre mur des photos d'abonnés, on espère vous rendre assez hommage en faisant cette vidéo. Et on vous fait plein de bisous. Ah bah oui, de gros bisous. Et merci encore beaucoup. Ciao.